Louange est à Allah, le Seigneur des mondes, celui qui est le plus haut par le grade et le degré, et le plus grand par le grade et le degré, et que Allah élève davantage les degrés et les grades du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Voici compromis le conseil numéro 2 dans la série de conseils dédiés aux époux afin de rendre leur vie conjugale des meilleures, incha'Allah. Conseil numéro 2, s'attacher à la propreté et aux belles odeurs. Il est important pour l'époux qu'il s'habitue à être propre dans son corps et ses vêtements, et qu'il se parfume avec de belles odeurs qu'apprécie son épouse. En effet, ceci lui réjouit son cœur et embaume ses perceptions et ses sentiments. Il convient donc qu'il ne néglige pas cela pour que l'amour et l'amitié durent entre lui et son épouse. Sur ce, je vous laisse méditer, chers frères, sur ce deuxième conseil et vous reviendrez sous peu avec d'autres précieux conseils, incha'Allah. Je demande à Allah qu'il vous accorde une vie joyeuse, pleine de bonheur, de santé et de piété. Walhamdulillahi Rabbil Alameen.